Bon, bah enfin une bonne journée, une belle journée, sans orage, sans grêlons, sans pluie. On va pouvoir en profiter pour s'occuper de celle-ci. Ça fait longtemps que j'attends de faire quelque chose avec. Et là, il est temps. Donc le programme, ça va être de s'attaquer en priorité aux canalisations de frein arrière que j'ai vu bien attaquer et pour lesquelles j'ai des pièces de remplacement depuis un bout de temps qui sont normalement en bon état, plutôt que de former des canalisations neuves. J'en ai récupéré sur une autre 46 et qui sont en bon état, donc j'espère qu'elles vont correctement s'adapter dessus. Et on a un peu plus que ça à faire finalement, donc je vais en partie refaire le train avant avec la crémaillère et remplacer une partie de l'échappement, tout ça pour changer une leçon de lambda qui est dans les choux. Puis il y a quelques petits aménagements aussi à faire côté mécanique, rien de bien incroyable ni complexe, mais à faire quand même. Donc ben, on va s'y mettre. Première chose à faire dans ce que je veux réaliser aujourd'hui, c'est de lever la voiture. Tiens, je vais m'assurer qu'on a déjà un réservoir quasiment vide. Enfin, c'est ce que j'espère. Je me souviens plus. Oui, ça pourrait être mieux. Hein. Il est plein jusqu'à moitié. Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vidanger ça. Si j'ai besoin de mettre la 330 en sustentation, c'est qu'aujourd'hui on va intervenir principalement sur ces dessous, à commencer par les canalisations de frein arrière qui m'inquiétaient un peu. Pour pouvoir les contrôler correctement et les remplacer, il faut déposer le réservoir d'essence. Pas une mince affaire en soi. Au passage, je confirme ce que j'avais constaté à la conduite. Le train avant a du jeu et il ne semble pas que ça vienne des rotules, des biellettes ni des triangles. Pas principalement, du moins. Sous cette plaque, on devrait trouver le filtre à essence. C'est à son niveau que je vais déconnecter les canalisations de carburant pour pouvoir chinter le circuit et récupérer le précieux liquide dans un bidon. En mettant le contact, la pompe à essence tourne quelques secondes. Il semble qu'il soit assez difficile de la faire tourner en continu sans alimenter directement la pompe. C'est ce que je vais faire. Je repère déjà l'épaule qu'il va falloir connecter à une batterie. Voilà, c'est fait. On va pouvoir retirer les quasiment 30 litres du réservoir. Et ça va assez vite. Vaut mieux surveiller ça comme du lait sur le feu vu que la pompe ne survivrait pas longtemps à tourner en aspirant de l'air. La jauge confirme que le réservoir est presque vide.
L'accès au réservoir est bloqué par la ligne d'échappement. Il faut donc maintenant que je la dépose. Mais avant même d'avoir commencé, je sais qu'il va falloir choisir son camp. Diplomatie à base d'outils d'extraction et de déripants ou... la guerre. J'ai choisi le conflit armé. Faisons une petite pause pour voir les pièces que j'ai mises de côté au fil des derniers mois. Deux triangles avant, des biellettes de direction avec leur rotule, une généreuse donation de Max Speeding Rod, vous savez, le site qui propose des pièces performance pour pas cher. Bah, ils ont aussi un bon stock de pièces standards pour BMW. Merci à eux donc pour l'envoi d'un couvre-culasse neuf avec son joint, est-il en bloc de triangle renforcé. Plus un autre carton bien volumineux dont je vous parlerai à l'occasion de l'épisode suivant. Pour compléter notre stock de pièces à monter, on a aussi une sonde lambda neuve et un morceau de ligne d'échappement. Reprenons donc les hostilités. Une vis et un boulon au centre du réservoir, mais également deux sangles à droite et à gauche me permettent de réaliser que les canalisations ne sont pas si mal après tout. Seules les parties les plus proches de la connexion avec les flexibles sont corrodées, mais tout ça est finalement très superficiel. La peinture, en train de cloquer, donnait l'impression que tout était au bout du rouleau. Mais après avoir décapé et repeint, je suis pas inquiet, c'est reparti pour 10 ans. Notez que les irrégularités de surface ne viennent pas des marques de corrosion, mais de la peinture que j'ai appliquée en excès. Bon, après ça, je peux aller m'attaquer à la sonde lambda qu'il va falloir que je remplace. Elle est en défaut, elle n'est pas belle à voir. Il aura fallu lutter un peu avec la clé de 22 pour pouvoir la sortir. Chose que je n'aurais jamais pu faire avec la ligne en place. Le conflit avec la sortie des collecteurs a laissé quelques traces. J'ai recoupé les goujons à ras, sauf l'un d'entre eux qui est sauvable. Va falloir s'amuser à les percer maintenant. Je vous passe ça en accéléré parce que c'est un processus relativement... interminable. J'ai par la suite tenté de tarauder directement dedans pour me passer d'écrou, mais malheureusement je me suis rendu compte que je n'avais pas de forêt aux bonnes dimensions. Pour me remettre de l'or passé sous la voiture à ramper dans la limaille, je vais reprendre un peu de hauteur et m'attaquer au remplacement du couvre-culasse. Si vous avez vu l'épisode 5 dédié à cette voiture, vous savez que celui en place a un problème que j'ai corrigé avec plus ou moins de succès, avec de la colle à pare-brise. Rien de bien difficile à faire en soi, il suffit de retirer les bobines, le faisceau d'allumage et les quelques écrous qui traînent par-ci par-là. On voit ici la fissure qui traversait tout le couvre-culasse. Et voilà, on peut espérer avoir un circuit d'admission parfaitement étanche maintenant. Après avoir installé une sonde lambda neuve, retournons un moment sous la voiture maintenant. Je vais déposer la crémaillère. En fait, tout le train avant va y passer. Mais pour pouvoir y parvenir, il faut déjà dégager la vis faisant le lien avec la colonne de direction. Ce qui devait s'apparenter à une promenade de santé s'est transformé en un nouveau combat à base de disqueuses et de fourrées de 10. Après 2 ou 3 heures de lutte, suite à la casse de la tête de vis, j'entrevois enfin une issue. Mais il va falloir que je trouve un cardan de remplacement par contre. Thank you.
Passons maintenant aux deux demi-trains. Encore des vis bien, bien grippées. Même traitement pour le côté opposé qui sera un peu plus tolérant avec mes nerfs, heureusement. Ok, maintenant que j'ai bien avancé sur cette partie-là, j'aimerais commencer à remonter quelques pièces pour éviter de les avoir dans les pieds. Mais avant, j'ai quelques ajustements à faire. Le silencieux sur certaines E36 et E46 dispose d'une valve permettant de libérer un peu la sonorité à l'échappement, lorsque les gaz sont ouverts en grand. Une capsule à dépression est connectée au circuit d'admission du moteur et agit sur un clapet situé sur la canule de droite. Beaucoup de propriétaires de ces voitures déconnectent cette valve pour le plaisir de faire du boucan. Mais comme je déteste cette sonorité et que le système est méga grippé, je vais encore une fois être radical et condamner la boîte à boucan. Il est assez probable que je sois le seul taré à avoir soudé ce clapet en position fermée pour le bien-être de mes oreilles. Mais j'assume. Cette voiture est bien plus agréable lorsqu'elle fonctionne silencieusement. Je peux remonter tout ça, avec de la visserie de bonne qualité. Bon, pour voir, je vais quand même redémarrer la voiture avec juste les catalyseurs et l'intermédiaire. Mais avant, il faut déjà remettre un peu d'essence dans le réservoir. Ah oui. Et ne pas se tromper entre durite d'arrivée et de retour. Elle tourne comme une patate? Oui. Et bah c'est normal quand on oublie de reconnecter la durite située après le débitmètre.
Bien. Il semble qu'il va falloir faire un cordon de soudure tout autour du clapet. Il n'est pas tout à fait étanche et ça génère un son assez discutable au ralenti. Il est l'heure maintenant de laisser la chèvre prendre l'air. Il va falloir supporter le moteur pour pouvoir déposer le berceau. Pourquoi ? Pour pouvoir remplacer le joint de carter d'huile et en profiter pour changer les supports moteurs. C'est l'occasion. Ce support moteur a effectivement fait son temps. Et si on reparlait de notre problème de jeu dans le train avant ? J'ai encore un joker dans mon coffre. Une crémaillère plaque violette qui indique qu'il s'agit de la version la plus réactive, identique à celle que j'ai déjà en place mais que j'espère être en bien meilleur état, question jeu de fonctionnement. Faut juste que je puisse récupérer les rondelles creuses servant à bloquer les rotules de direction neuves que je vais monter sur la crémaillère de remplacement. Bien sûr, tout ça s'est fini dans un flot d'étincelles puisque j'ai dû couper les biellettes de direction pour pouvoir démonter ça. Leur montage avec des pièces neuves, c'est tout de suite plus reposant. Maintenant, on attend. Mais je n'ai pas à déposer le berceau pour pas remplacer le joint de carter d'huile finalement. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les supports moteurs, ouais, qui sont bien rincés, donc j'attends que ça arrive. C'est un peu lent. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à la prochaine pour la suite. Et j'espère que ce sera l'épisode final pour cette voiture, puisque on arrive au bout des petites choses qui restent à faire pour qu'elle soit parfaite. À bientôt. Ciao.